Ensuite, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la main des épaules. On monte les deux mains après, comme ça. Au début, il n'y a que la main droite hein, qui fait 2. Voilà, donc ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors vous allez voir Alexis qui tortille très bien du non, non, postérieur. Du début là. Hein. Ah si si. On va faire de là où t'as dit. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Voilà. C'est chiant. Alors ensuite, c'est le petit travail qu'il y a pour aller là-bas. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Michel, pas Flo parce qu'il va s'endormir. Merde, j'ai taillé Flo dans le King of, tu le mets pas ça. Tu prends une photo ou tu filmes? Parce que si tu filmes, tu ne mets pas le King of. Hein. Tu mets pas le King of. Bon, bon coup. 6, 7, et 8, t'as compris? Oh, t'as roté! Ah, j'arrive pas! On aurait dit un dinosaure! Jurassic Park, le retour grâce à Kid Production, voilà! Dans le rôle du T-Rex, Christophe et des effets spéciaux, Alexis Lacoste, qui sont également odorants, les effets spéciaux d'Alexis, donc plus vrai que nature, voilà. Ouais, parce que. Faut que j'évacue l'air en fait. Allez, attention. 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4. Christophe, stop. Non, c'est le peignoir, il est où? C'est quoi cette blague? En frisé, j'ai pensé à cheveux le peignoir. Non, alors, si Hitler il était mexicain, le cri de ralliement des nazis ça aurait été Hi Pepito. On a entendu ça hier. Filme-moi ça, merde. Si j'avais pas des hémorroïdes grosses comme le pouce, je me serais mis le doigt dans le cul et je vous aurais aspergé avec. C'était hier ça. On avait un super concert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour celui-là, on est légèrement penché en arrière. Putain mais arrête oh. C'est dégueulasse moi. Avec le viré, allez. Oh, oh. Putain, mais je suis déçu. Allez, sors. Je tiens à vous dire que là vous avez les images, mais vous n'avez pas l'odorat. Voilà. Il n'y a qu'un tube qui relie sa bouche à son cul. C'est la même odeur. C'est la même odeur. C'est ma fucking ass. Son de bitch. On appelle tête de cul. Allez, de paix. Ouais, on arrête. Ça lui va bien. C'est sympa. C'est... À la base, c'est un film qu'on fait, c'est pas un documentaire sur les singes. Oh. Ah. Bah écoute, je sais pas, hein, ça pue un petit peu pendant qu'on le faisait, il y avait une sorte de traînée de nauséabonde. Ça travaille avec Alexis. Hein. Il y a constamment un chewing-gum dans la bouche et ce qui est fou c'est que ça pue quand même en fait. Alors je ne sais pas si... Est-ce que c'est un réalisateur? Vous appelez ça un réalisateur? Bah dis donc, c'est que c'est un grand mot pour quelqu'un comme ça. Hein. On dit un réalisateur pornographique déjà, regardez rien que comme il est habillé. Enlève ton chapeau quand même. Bon d'accord, on dirait D'Artagnan déjà que sa moustache et sa barbe. Hein. Avec son chapeau et en ville, avec sa veste en cuir, ses belles lunettes de soleil. Je suis sur deux tournages simultanés, oui, dont un film d'époque, et oui, on a des budgets. Alors je fais le mousquetaire, c'est pour ça. À chaque fois, qu'il y a un numéro de pute sur un poteau, un nouveau, il le repère. Mais le jour où il se met. Remarquez, Alexis aussi fait un double tournage, il fait Shrek en même temps aussi. Christophe, bon, il pète.
Il fait chier sur ça. J'aimerais t'en convaincre. Alex. Ah, Christophe, c'est moi, ça. Alex. Ah, bah ouais, mais j'ai pas Alex. Oui. Quoi? On est marre de travailler avec des branleurs pareils. Il a rien à faire dans le film, mais il nous a fait chier. Hein, je suis le frère de machin. Du coup, on se coltine. Il pète, il rote. Dégueulasse. Trop dégueulasse pour tourner Shrek, le gars. Il s'est fait virer du casting. Dis donc, vous êtes trop dégueulasse. On peut pas vous prendre. Pourtant, il avait la couleur, il est vert et tout. C'est vrai qu'on sortit un peu plus des hanches, mais. Mais ça qu'on bosse beaucoup là, il y a beaucoup plus de boulot hein, derrière nous les acteurs, hein, la post-production, tout ça, le matériel, tout ça. Nous on sue comme des bêtes hein, à chaque fois, hein, tout le temps. Là regardez, on est en pleine répète. Vous savez pas la quantité de boulot qu'on a. C'est impressionnant, toutes les minutes on est sur scène tout le temps, on s'arrête pas deux secondes. C'est simple, moi je regarde, je suis sur scène, je transpire, on le fait 4-5 fois. Tu me mets un whisky, Michel? Tu m'en mets un aussi, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Ouais, franchement, là, on a fait une répète de 10 minutes. Je vais chercher les gonzesses dans le bus et j'arrive. Roumaine. On a fait une répète de 10 minutes, alors heureusement qu'on a un peu de retard. T'as arrivé ta note chez les putes? Ouais, c'est bon. Ah, dis donc, elle doit être corsée, hein, parce qu'hier tu t'es éclaté. Hein. Ah, elle est salée, mais pas ça, making of, ça fait pas sérieux. Hein. Mais vraiment. Brésilien, c'est plus cher. Hein. Un balai de 30 secondes, voilà. T'as essayé la roumaine, on l'a fait quelques fois déjà. Ouais. Mais bon, on a un peu de détente. Voilà, la salope, putain. Et moi, je vais faire comment avec Michel, moi? Hein? Très caché. Steve, tu peux nous expliquer quelle scène ça va être là et où tu es? C'est la scène de la pénétration dans l'esprit du personnage. Voilà. Non, sérieusement? Sérieusement? Oui. Là, c'est toutes les scènes d'interview de Christophe par notre cher ami Marco. Oui, ici, dans ce studio de danse. Voilà. Et comment tu as trouvé ce studio de danse? Oula, c'est une longue histoire, je vous explique. Ça commence par c'est, l'alcool. Ouais, il y a de l'alcool, il y a de la mafia, et puis il y a tous mes contacts. Il fait un petit daté. Voilà. Autre question. Quoi? Les boîtes là-bas, c'est relativement moche. On les filme pas. D'accord. Ouais, ça n'est pas trop mal. Bah, allez-y, faites une lecture au moins de la première. Comme ça, on va faire séquence par séquence. Chaque séquence, on va la filmer un peu différemment. Ça, on va partir vraiment en interview. Je vais prendre d'abord à la main la caméra. Et après, on finira la dernière par avec le pied. Tu les vois, ça? Oui, on voit les. On verra à peu près de toute façon tout ce qui est sur la table. Mais tu peux t'en servir comme paperasse. Hein, mais on va se connaître. Ouais. Mais c'est vrai que Mini Zemmoussière, c'est vraiment sa chanson. Si tu laisses incarner en une chanson, ça sera celle-là. Comme Benny Goodman avec Sing Sing Sing, quoi. Ça fait pas l'air de battre. Alors attention, vous êtes prêts? Non. C'est bon? Ça tourne? Moteur? Alors, interview 1, Chris CD, prise 1. Vas-y, clap. Et. Action! J'étais fan de Cab Calloway bien avant la sortie des Blues Brothers, hein, et Nicholas Brothers. Non, c'est avec les Nicholas Brothers, non, ça fait. Ouais, je crois pas, vous croyez en la réincarnation. Oh, oh. Ah, tiens, t'as le bonjour de Paul, en fait, j'ai eu sur. Par email. Moteur. Ça. Turne. Alors, interview 1, champ contrôle, champ Marco, première prise. Vas-y, clap. Séquence 4. C'est ça la suivante, ouais. Interview séquence 4. Celle-ci, elle s'appellera c'est une interview, tu vois. Ouais, c'est la suivante. Là, tu m'as dit interview. Séquence 4. Son of a bitch. Morale de calme. Vous croyez que tu vas se contenter d'une seule dose? Non, toi, après, toi, tu reviens sur son truc, tu vois. Et c'est comme si tu faisais une confidence, tu te rapproches comme ça. Toi. Ouais, pas mal. D'accord. Il faut pas. Ouais. Même si tu sais pertinemment, tu sais, si c'est une interview que ça va être marqué ou qu'il y a des caméras, en fait. Il y a une grosse caméra. Mais toi, fais-le quand même, toi. C'est juste dans la tête, en fait. Bon, on revient à la séquence 4. Quoi? Non, quoi? Quoi? Je fais le quoi comme ça. Quoi? Considéré comme
Qui? Incroyable, gars. BD. Considéré. BKPP. Ouais, on sait. Oh. Considéré. Tu fais carrément le. Le gars choqué. Vous êtes drogué. Vous croyez qu'il va satisfaire d'une petite dose? Non, il va toujours vouloir chercher plus. Peu importe. Non, ça c'est le truc d'avant. Il va constamment en chercher d'autres et il fera n'importe quoi pour y arriver. Vous vous considérez comme drogué? C'est trop Pep. Il est belge. Il est belge, non? Considéré comme drogué. Considéré comme drogué alors, non? Arrêtez, après vous allez le prendre. Ouais, moi je rigolais. Vous savez, on n'a pas d'aspiration quand on est tout beau, tout clean. Non. Ce que je fais est loin d'être moralement correct, mais. Tant pis, je le fais quand même. Non, c'est quoi? On sait pas où on découvre sa sexualité, où on sait pas trop de quel côté on est. Bah, moi, pour savoir, j'ai essayé les deux. Et alors j'ai su. Je crois que je ne faisais pas une cannelle de 50 mètres dans le fond. Bon, je veux dire, je suis ouvert, mais à un moment, j'ai vu que c'était hostile. Hein. Vous vous considérez comme drogué, là? Je suis drogué de beaucoup de choses. Hein. Et j'ai besoin de ça. Vous savez, on peut pas avoir l'inspiration quand on est tout beau, tout clean. Wow. Je fais des choses qui sont moralement pas bien, mais... Ouais, bon, on va prendre. C'est plus un petit problème de dépendance. Là, on va l'appeler plan carrément éloigné. Plan carrément éloigné. Du coup, blague du preneur de son, hein, pas celui qui est ici, mais le deuxième, le PD qui fait du blues. Pourquoi les filles mettent du parfum et se maquillent? Parce qu'elles sont moches et qu'elles puent. Bonjour. J'aimais vraiment ce que je fais. Profil Marco. Profil Marco. Que j'aime ton profil Marco. 5, 6, profil, Marco, que j'aime ton profil, Marco, profil, Marco, que j'aime ton profil, Marco, profil, Marco, que j'aime ton profil, Marco, yo, go, bien, bien. Ouais, personne n'aura un petit café là. Bon, allez, on va arrêter. Donc, simplement, le plan, donc, comme vous le verrez, est normal. Mais vous ne verrez pas quelque chose à l'écran, ce sont des boutons de manchette. Et là, c'est ce qu'on appelle le souci du détail. Voilà. C'est bon de le savoir. C'était une belle chaise. Elle ne savait pas. Non, non, non. Ah non, c'est pas. Non, non. Tu dois comme ça? Ben non. Ma semelle, elle s'est complètement explosée en fait. Problème de chaussures. Le problème, c'est que Stevie, il a généreusement donné ses autres chaussures à un ami. Non, je les ai vendues, mon cher. Je suis chopé, pas besoin. Bah, rachète-les, parce que là, du coup. Ouais, donc et c'est impossible à remettre. Non, il a un pied de mastodon. Regarde, il est large aussi long que le sud de mon père en fait. Comment tu fais? Bah, on va mettre les noirs, de toute façon, on n'a pas le choix. Non, il n'y a pas une visseuse par là, là. Le roulis, c'est une visseuse. C'est galère. C'est les ailleurs du. Vous avez du. J'ai mangé de l'arnica, j'ai verni. J'ai vernis, j'en ai, je l'ai ramené. J'ai vernis du rouge à lèvres, mais pas de. J'ai oublié.
Bah, Alexis va vous le dire. Je prends mon temps, hein. Allez! Enfin! Stevie! T'es bon, là, c'est bon? Sans ta bite, sans dissuster. Allez, plus que ça. Allez! Allez, maintenant, on se met à poil. Comment ça paraît, non? Pourquoi c'est mon prénom? Moi aussi, tu as compris, attends. Parce qu'il a oublié. Voilà, c'est passé au copain en direct du tournage de l'entrevue qui prenait. Entre cul, tu veux dire? Ouais, entre cul, voilà. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais bander plus vite? Parce que sur la caméra, tu vois. Ouais, non, on mais. Voit ouais. On voit la progression, mais pas assez rapidement. Non, mais en ce moment, je me sens mal, je suis un peu malade. Ouais, mais je vois, t'es respirant. Écoute, tu vas commencer par Sandy, tu vois. Donc, on va enlever son pantalon. Oh! Non, mais voilà. Donc, Sandy, tu commences à lever ton pantalon. Allez, bon! Toi, t'enlèves tes bretelles, toi, tu montes tes seins, et toi, là-bas, tu montes ton cul. Ah, oui, on va essayer de tricher. Ah, oui, c'est là, ma ouais, c'est là. Hein? Vous avez entendu? Ouais. Tricher, vous avez essayé de tricher, vous m'avez fait 5, 6, 7, 8. Ah, vous avez essayé de partir de là, s'il te plaît. Ah, tu veux qu'on triche? Ouais. 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu t'en vas passer là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, stop, stop, sans dire, tout à deux. Attends, je vais pas partir. Ah, regarde ma gauche. C'est pas facile, hein. C'est les nerfs, ouais. Voilà. Donc elle se mouche, mais non, elle a des problèmes un peu. Choc, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas trop rapide par terre. Merde. À la fin, Christophe. T'as fait comme elle, tu te remets au milieu et tu fais. Les voix. En regardant le public, toi, par contre. Ah, d'accord. Non. Il est bien, okay. Là, il est bien. Non, c'est là pour voir. Ça vient, la carotte. Ça vient. 6, 7, 8, et 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors elle est sponsorisée par Apple. Voilà. C'est parce qu'il y a un Mac en fait avec nous. Qu'est-ce qu'il a dit, t'as un Mac sur toi. Et voilà. Et elle a des diamants. Voilà. C'est la bonne excuse pour filmer ses libres. Allez, vas-y, lève la jambe, allez. Allez, c'est toi le Black Floyd, allez, vas-y. Montre-moi ce que tu sais faire, allez. Mais nom de Dieu, mais t'as pris des années de danse. Tu sais très bien qu'il faut danser, vas-y, danse, danse. C'est un studio de danse ici, c'est pas pour se branler la douille. Allez, vas-y. Putain, sous l'eau, j'arrive, les gars. Hein. Ben voilà. C'est ça que je voulais. C'est 4x8. Alors, on charge du Joker. Ah, Batman. Red Rum. T'as rien compris, hein. C'est moi qui dis Red Rum déjà. Et ensuite, j'ai même pas rentré dans la chambre de 137. Hein. Saline, elle fait la femme dans la baignoire. Red Rum. C'est la momie, ça. C'est la revanche de l'eau de mon père.
Ouais, mais il est trop grand. T'imagines, avec le vélo, il est trop grand.